On est mal aimé, maudit. Il faut du Wari. RS Quattro ou Ferrari. J'fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que j'vais rester calé. Guette comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. J'prends virage à gauche. Oh les gars, je l'ai mis enceinte. J'ai mis enceinte la meuf de Nono Séduction, voilà. Voilà, hier elle m'a envoyé un snap avec le truc là qui se met dans la chatte où tu pisses dessus. Il y avait deux barres ou je sais pas combien de barres. Oh là là, on dirait deux. T'as vu sur Call of quand t'as les barres au début en zombie. Ça m'a fait la test de grossesse. Voilà, c'était ça, rose et tout. Il y avait ça, voilà, il y avait ça. Yeah, c'était ça. Donc là, ça veut dire je suis daron en fait. C'est quoi là? C'est juste du sperme dans son ventre ou c'est déjà un enfant? Il est déjà là. En vrai, j'en rigole, mais est-ce que je dois le prendre de sérieux ou c'est. Je dois le prendre comment les mecs? Parce que moi, je suis un mec. Je prends rien au sérieux. Parce qu'on m'a donné des conseils, on m'a dit faut. Là, c'est pas des lol. Ça m'a dit nono, tu rigoles, mais. Sérieux? En plus, hier, elle a failli dire à ses darons. Je lui dis non, dis pas, s'il te plaît, je te. Non, tu. Non mais attends, non, je te jure. Non, non, je te jure que tu prends le truc à la légère là, tu sais que c'est ça. C'est que vraiment frère hein. C'est chaud. Mais comment ça c'est chaud frère? Y'a un enfant, un bébé toi qui va sortir de la chale d'une meuf. Non. Allez hop. Non mais non, c'est pas drôle wesh. Il faut qu'elle aille à l'hôpital et qu'elle se fasse avorter, frère. Et y a besoin d'une autorisation parentale ou pas? Elle est mineure? Ouais. Oh non, mais non, non. Je suis mineure. Et oui, non, mais je sais, mais c'est pour elle, ouais, y a besoin d'une. Oh là là, mais oui, je crois qu'il y a besoin d'une. Je crois, attends, je sais pas. Je sais pas, frère. Non, 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 t'abuses, frère. Non, vraiment, t'abuses. Vraiment, vraiment, t'abuses, frère. Ah bah, c'est pas de ma faute. Et c'est de la faute à qui? C'est la mienne, fils de pute? Attends, t'es sérieux là? Attends. Non, frère, attends, je vais regarder sur Google vite fait. Vas-y, je vais lui dire alors. Sinon, elle le dit à ses darons, frère. Hein. Mais ses darons, ils vont te tuer. Ouais, c'est hésitant, frérot, voilà, c'est dur. Oh non. Ah oui mais non mais tu sais quand même, ouais il faut pas. Non mais c'est. Ah oui mais frère là-bas ça avorte pas frère hein. Oh là là la sauce. Enfin je sais pas si c'est comme les gitans de Perpignan frère, mais les gitans à Perpignan ils c'est. C'est un. T'as un enfant hein. Devoir assumer un petit gitan. Non tiens mon courant ça. Vas-y je te tiens. Oh, vas-y t'abuses. Quoi tu veux, on joue après? Vas-y si je trouve le temps là. T'es où là? Je suis à la villa. Tu restes combien de temps? Ok, et tu viens quand? T'as pris ton billet? Quand je rentre, je le prends cash. Vas-y, tu me dis. Vas-y, le sang. Ciao. The B, frère. Ciao. Non, mais frère, c'est trop, wesh. Non, mais frère, sérieux. Non, il abuse, frère. En vrai, là, je le dis à la rigolade parce qu'on est en stream et tout. Mais je te promets que là, je vais le rappeler en stream, je vais le gronder, frère. Hein. Ouais, Loli aussi, qu'est-ce que tu leur. Il m'avait retiré super admin, j'ai dit. Eh, heureusement, on tient par les couilles, Loli. Hein. Là, comme ça, chat staff, il insulte tous les streamers. Tous les streamers de son propre serveur. Bien sûr, tout le monde, je dis ah ouais. Tu vas voir si on va pas leak. Tu vois ce qu'ils sortent sur Bichou et tout, frère. Après, Bichou, c'est normal, tu vois. Ouais, Bichou, c'est une grosse merde. C'est un loser de merde. Un staff qui. C'est un des mecs du staff qui dit ça là tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il s'appelle Gilles Tommy. Il s'appelle Gilles Tommy, le staff qui fait que dire ça. Il casse les couilles. Non, mais attends, j'ai un appel là. Non, c'est pas l'Orio, c'est pas l'Orio. Non, mais non, non. Toi, t'es pas l'Orio. C'est moi. Saute. J'ai pas le con. Saute si t'es l'Orio. Qui es-tu? C'est bon, c'est moi l'Orio. Mais où y es-tu? Non, c'est pas toi l'Orio. C'est moi l'Orio, c'est moi. Prouve-le. C'est moi l'Orio. Eh bah, viens, on va au coiffeur. Chez le coiffeur. Viens, on va chez le coiffeur, pardon, viens. Prouve-moi que t'es l'Orio. Bah, viens, on va chez le coiffeur. Non, je ne demande pas dans ta voiture avec moi, c'est un guet-apens. Mais je vais pas te faire un guet-apens, je suis pas armé. Prouve-moi que t'es l'Orio. Je ne suis pas armé, viens avec moi, le coiffeur. Viens avec moi chez le coiffeur. Deux. Comment ça, je te fatigue, mais comment tu. Normalement, l'Orio, il la boit trois fois.
Non, l'Orio il aboie pas comme ça. Mais c'est normal, j'ai miaulé, j'ai pas aboyé. L'Orio il prend son temps quand il miaule. C'est bon? Ça va quoi, l'Orio? Ça va, et toi? Moi je me dis que c'était lui. Mais parce que c'était pour faire une petite blague. Ah, mais j'ai pas eu le tuer. Mais c'est une blague. C'est ça la blague. T'inquiète. Bah, tu dis que c'était un piège. Ouais, tranquille. J'étais tendu. Les munitions. Les munitions, bien vu. Je vais voir. Ouais. Je crois pas que je suis dans une vingtaine de minutes, c'est pas? Vas-y, tu me ramènes le chauve aussi par la même occasion. Je te ramène le chauve. Aïe, ouais. Aïe, c'est mort, je vais le priser en 8. Je vais boire son sang, je vais lui priser ses os. Avec les marins et le frère Abachir, ça va s'arranger. Vas-y. Oh, Célim, Yasmo, il veut que je ramène le chauve de la dernière fois. Tu te rappelles quand on l'a pété? Le chauve? Oui, c'est toi. Il m'a dit, le OG Palace, il m'a dit, ramène-moi le chauve, je vais lui briser ses os, je vais lui péter les dents, je vais lui boire son sang. Mais pourquoi? Mais parce que la dernière fois, tu te rappelles pas quand on l'a chopé et qu'on est allé à l'antenne là-bas? Mais il vient de se réveiller par rapport à ça là? Ouais, hier. Yeah. Mais c'est un malade, c'était il y a 3 ans. Je sais pas comment on fait. 10 ans? Ouais, bah c'était il y a longtemps. Mais là, ça fait depuis hier, il veut vraiment savoir qui c'est quoi. Ok. Du coup, tu veux y aller? Pff, ouais, si tu veux. Bah non, en vrai, non, les frères, il va venir avec les balas, ils vont me baiser. Bah ouais. Ou alors, on y va en tank? En tank? Ouais, comme ça, on lui dit, bah c'est moi, le chauve, ouais, et quoi? Et donc, oui, monsieur, je vous écoute. Tu traverses toute la ville avec un tank, ça fait pas chauffer un peu? Ouais, ça fait vraiment beaucoup chauffer. Bah ouais, s'ils nous suivent les flics. Vous allez passer en voiture éclaireur et moi je vais rouler derrière, d'accord? Ouais, vas-y, ça marche. Bah attends, laisse-nous là, on prend une voiture sur la route comme ça. Attends, mais non, vous allez prendre celle-là. Attends, il est où déjà? Mais vaut mieux être de voiture, non? Peut-être C'est derrière, je crois. Non, suffit. Bon, mais je conduis. Ok, mais je conduis le tank. Non, c'est moi qui conduis le tank. Mais Célim, si tu te fais. Regarde, Célim, si moi je me fais choper avec le tank, moi je m'en battrais un peu plus les couilles que toi. Attention! Fais gaffe parce qu'il met des coups de bite. Oula! Non, attends. Oh la voiture! Ah merde! Quoi? Oh là! Hey. Quoi? Ça va? Mais pourquoi il bouge? Le tank il bouge! Mais pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai pas fait exprès! Oh, nickel! Prends le canon, il bouge! On va dans une radio? Vas-y, laquelle? 802, c'est bien! 802, go! Oh, une fois je choisis quelque chose! Eh bien, tu commences à t'affirmer, Lorio. Allez, monte! Bien joué, monsieur Lorio. Tiens, vas-y. Ouais, allez dans la radio! C'est un policier? Ah oui. Oui. Dites-moi, c'est où est déjà le clan des Maras? Vous êtes pas du tout au bon endroit, monsieur. Pourquoi vous posez ce genre de questions, monsieur? Vous voulez passer des vacances là-bas? C'est quoi exactement votre but? Ah. Non. Circulez avant que je vous bouscule. Ouais. Attends, mais vous êtes agressif quand même là, monsieur policier. Est-ce que vous voulez continuer à parler avec moi, en fait? Non, je demande juste une information. Très bien, alors vous venez demander au policier où est le putain de... C'est zouave, là. Très bien. Très intéressant. Donc vous traficotez avec eux, peut-être? Venez, on va parler, si vous voulez. Entrez dans la voiture. Entrez donc. Non, pas du tout. Entrez donc, si vous voulez. Non, mais pas du tout. De ça, mais j'ai un ami Marabunta. J'ai pas le droit d'en avoir un ami Marabunta? Un ami Marabunta, oui. Un ami, oui. C'est pour ça que vous demandez votre camp de gitan, alors, du coup. Camp de gitan, c'est un peu raciste. Oui, peut-être. Est-ce que vous-même, vous êtes américain? Bien sûr. Vous êtes américain? Oui. Vous avez vos papiers américains? Oui. Très bien. Et pourquoi vous êtes venu en Amérique? Je suis venu en Amérique car c'est un beau pays magnifique, étant donné que la liberté ici est authentique, et vraiment, je pars de ce pas faire un pique-nique. Waouh. Allez. Ah non, moi j'ai rien à voir. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah ouais? Ah si. Ah ouais, moi j'ai rien fait, hein. Allez, tu t'arrêtes, toi. Mais j'ai pas compris. Moi, en fait, j'ai... J'ai attrapé une personne armée à l'arrière. Négatif. Mais j'ai pas compris, j'ai pas le droit de passer par là? Bah monsieur, vous avez forcé l'accès. Mais non, mais vous m'avez dit fait le tour, je croyais que c'était par là. Mais non, l'arme je l'avais déjà dans la main, je vous jure. Je vous jure. Bah, non, j'avais pas d'arme, Non, vraiment, j'avais pas d'arme. Vraiment. Bah, ok, vous avez pas d'arme. Non, vraiment sans... Oui, d'accord, j'ai compris, vous avez pas d'arme. Mais ok, je vais ressortir de la zone. En fait, je vous jure, je ressors de la zone. J'avais pas compris.
aucun souci. Oui, vous aviez pas compris, oui. Non, non, pour de vrai, j'avais pas compris. Ouais, ouais, on va éclaircir tout ça. Je peux prendre ma voiture, je vous suis au moins. Non, mais... Non, non, vraiment, j'avais pas compris, parce que j'ai vu la moto jaune passer par là, je croyais qu'il fallait passer par là. Tiens-le-moi bien, voiture. Fils de pute, tiens-le-moi bien. Non, mais en plus, je le connais, celui-là, putain. Monsieur, venez. Ok. Mettez-vous contre la voiture. Pas de soucis, pas de soucis. Je vais vous faire une palpation de sécurité. Non, mais réellement, j'ai vu la moto jaune passer par là, je croyais que je devais passer par là. Eh ben... T'es le patron, et nous on croit pas trop, à la chicha sous ballon, tu sais pas où t'as des mots.